Allez, on va voir notre copain qui vend de la viande. Ouais. Venez. Bonjour, vous allez bien? Et vous, monsieur, vous allez bien? Très très bien, ça va de mieux en mieux. Ouais. Vous avez vu? Malgré la perte du A. Ah bah attendez, vous avez vu ce matin ce qui a été dit? Il y en a certains qui sont même contents. Et oui. C'est affligeant. C'est affligeant. Ouais. Mesdames, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes sûrement grand-mère, vous avez été maman, vous avez des amis autour de vous. Je vais vous donner un papier sur la suppression du quotient familial. Qui fait qu'avec les mesures de François Hollande, il y a une maman sur deux qui va perdre de l'argent. Donc une maman sur deux que vous voyez là va perdre du pognon. Non, soyez pas déroutés. Mais non, tenez madame. Dans cette partie-là du marché, c'est on distribue pas de tract, on se montre. Toutes les semaines, on se montre. Tout à fait. On n'est pas dans un secteur amical. Et on est là et on s'habitue à nos visages. Et on dit bonjour quand on dit bonjour. Exactement. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Un papier sur le quotient familial. Bonne journée madame. Bonjour madame. Un papier sur le quotient familial, sur les allocations. Bonne journée. Même le Front National n'écrit pas de tracts pareils. Franchement, c'est scandaleux, quoi. Non au droit de vote des étrangers. PS, c'est vraiment scandaleux. C'est pire que des tracts du Front National. Oh, mais ça, lui, il est du Front National, lui. Mais bien sûr, mais bien sûr. Vous êtes un policier ou ancien policier? Non, j'étais policier. Ancien, oui, ancien policier. Ils en sont très fiers. Oui, bien sûr, très bien. Moi, je suis fils de flic et père de gendarme. Voilà, notre fille est gendarme. Tout à fait. Moi, je vous dis que vous êtes nul en sécurité. Mais vous en avez fait la démonstration depuis des années. Depuis 2002, vous êtes nuls. Vous voulez les désarmer, les policiers, vous les aimez pas, pas vous. Ah, parce que c'est pas vous qui êtes au pouvoir depuis 2002. Depuis 2002, en matière de police, c'est vous qui êtes au pouvoir. Non, attendez. Un déjà, je suis pas flic et j'aime pas cette appellation. Tu comprends pourquoi ils envoient qu'un dingue comme moi dans ces endroits-là?